Salut les amis, bienvenue sur l'Origine Jaune. Aujourd'hui, une recette de dessert. Si vous avez fréquenté des restaurants asiatiques, vous avez pu voir un dessert à la banane en beignet au caramel avec des serveurs qui se la pétaient grave. Alors, grâce au riz jaune, vous pouvez aussi vous la péter. Bien sûr, comme d'hab, avant de se la raconter, il va nous falloir 65 g de farine de blé, 100 g de farine de riz blanc, un demi sachet de levure, 2 à 3 bananes, 150 g de sucre, 1 cuillère à soupe d'huile, 2 cuillères à soupe de grains de sésame, 15 cl d'eau et un petit peu d'huile pour la friture. On y va pour la petite préparation. Nous allons commencer par la pâte à beignet avec dans un saladier la farine de riz blanc, la farine de blé, une petite pincée de sel, le demi sachet de levure et progressivement mélanger avec l'eau afin d'obtenir un appareil homogène, puis réserver. Nous allons ensuite trancher nos bananes en biseau avec 1 cm à peu près de largeur. Mettre ensuite un bain d'huile à une température d'environ 170-180 degrés. Y plonger nos morceaux de bananes dans notre pâte à beignet. Les faire ensuite dorer dans le bain d'huile environ 3 à 4 minutes. Les retirer ensuite sur du papier absorbant pour l'excès d'huile et les réserver. Pour le caramel à feu doux dans une poêle ou une sauteuse, versez le sucre, l'huile et laissez fondre d'après Michelin. Mais comme je n'écoute que moi, je mélange le tout. Et on obtient le même résultat. Y déposer ensuite nos petits beignets de bananes. Les grains de sésame et essayer d'enrober le tout soigneusement. Une fois que tout cela est bien enrobé, soit les disposer séparément dans une assiette prête à servir nos petits beignets, ou alors les disposer les uns sur les autres, laisser refroidir légèrement 2 petites minutes. Et ensuite les séparer afin d'obtenir des filaments de sucre, comme dans les bons vieux restaurants asiatiques. Alors, vous voyez, simple et efficace comme d'habitude, vous allez voir, le goût en vaut le déplacement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Sur ce, je vous dis à bientôt et bon appétit.